Coucou les filles, c'est les Chabis. Et oui, les enfants sont encore en vacances, mais je profite qu'ils soient dehors à faire du vélo avec leur papa. Il me reste un petit peu de temps. Donc je vais vous filmer la réalisation que je viens juste de poster sur mon Facebook à l'instant. Donc c'est un Chunky Charms. Donc en anglais, c'est un embellissement avec plein de petits charms et perles attachées. Et on appelle ça aussi un art cake parce que on a embelli le cœur d'un médaillon. Donc ici, je vais vous montrer, c'est un médaillon que j'ai embelli moi-même avec un embellissement en papier. Je vais essayer de vous le montrer plus près. Donc je l'ai posé sur un tag parce que il sera comme ça sur son tag en présentation. Donc le médaillon, le papier, je vais vous expliquer comment j'ai réalisé. Je viens de l'embellir tout de suite avec des petites roses. Un petit cœur en perles, des perles roses, des perles blanches et un petit cœur nacré. En dessous, donc juste tout simplement avec des anneaux, hein. Des anneaux uniques, quoi. Je les ai empilés les uns dans les autres. Donc j'ai mis un charme ciseau, une perle blanche. Oh, c'est toute petite perle plate. Une grosse perle rose qui sont sublimes, j'en ai mis la même ici. Une perle nacrée rose et un charme cœur. Donc à la base, je suis partie de ce genre d'embellissement. En métal, tout simple. J'ai utilisé donc dessus deux couches de gesso. Donc une couche, j'ai attendu que ça sèche, une autre couche et j'attends bien que ça sèche. Donc, tout simplement, vraiment bien peindre sur le dessus et avec le pinceau pas hésiter à tamponner pour que ça rentre dans tous les petits trous et faire aussi l'arrière. Donc une fois que sèche, ça donne ça, ou celui-ci si vous préférez. Celui-ci est un petit peu attaché, celui-ci est plus beau. Voilà. Ensuite j'ai passé une couche de cette peinture, donc c'est de la Home Déco que j'avais eu chez Action. Cette couleur, c'est la powder rose. Donc c'est la plus claire des roses. Ce qui donne le rendu final. Donc après, j'ai rien rajouté au niveau du cadre. Une fois que j'ai mon cadre était sec, j'ai monté mon Chunky Charms dessus. Et après, j'ai décidé d'altérer le milieu de mon cadre. Donc j'ai pris, j'avais ces étiquettes. Je ne savais pas trop quoi mettre, un visage d'une petite fille ou une étiquette. J'ai choisi de prendre une rose, donc j'ai pris la même que celle-ci, que j'ai détourée. Donc j'ai pas pris cette partie-là et j'ai pas pris ces feuilles-là parce que je savais que ça n'allait pas rentrer dans le cadre. Donc je l'ai détourée, je l'ai collée à l'intérieur de mon médaillon avec du glossy accent. Donc ça prend assez vite hein, comme colle. Et tous les bords qui étaient un petit peu en trop, parce que j'avais des petites pointes qui étaient un petit peu en trop, je les ai carrément coupées avec le cutter. Une fois qu'il était bien sèche, j'ai mis une bonne couche de glossy accent. Donc vraiment sur toute la surface, je pense qu'on le voit parce qu'il n'est pas encore tout à fait sec. Donc sur toute la surface de la rose en papier, j'ai mis du glossy accent. Ce qui donne cet aspect un petit peu vitreux. Vous pouvez aussi mettre dessus un cabochon. Je ne sais pas ce que j'ai fait des miens, mais je les ai perdus. Ensuite, j'ai décidé de mettre trois roses un petit peu foncées pour rappeler la couleur des perles. Donc vraiment des toutes petites roses parce que le tour de cadre, on n'a pas beaucoup d'espace. Et des embellissements en demi-perles pour finir. Là, je pense l'accrocher avec un pendant de boucle d'oreille. Je vais faire un trou dans mon tag, donc d'abord je vais altérer mon tag. Donc je vous le montre pas fini parce que ce sera pour offrir. Et je vais mettre un pendant d'oreille. Et voilà. Donc il y a une petite chanceuse parmi vous qui va avoir la joie, j'espère, le plaisir de recevoir mon tout premier Chunky Charms. J'espère que ça lui plaira. Donc j'en profite pour vous montrer les deux autres qui sont en cours. Donc j'ai aussi celui-ci. Donc vous voyez, le médaillon vide, ça donne ça. Donc celui-ci, je l'ai fait avec des perles bleues et vertes. Donc la déco sera certainement différente, avec un charme, un petit nœud, un charme de cœur, deux petites perles ivoire ici aussi nacrées. Donc ça c'est mon deuxième.
Hop là, mais c'est défait, enfin, je le remette. Et le troisième, donc le troisième, j'ai fait beaucoup plus simple. J'avais cette petite cage à oiseaux qui avait déjà un petit trou, donc j'ai décidé carrément de le mettre. Et celui-ci, j'hésite encore, mais je pense que je vais lui mettre. Donc c'est un badge. Un brad, pardon. Et je pense qu'il va vraiment bien pile poil la taille en tout cas, donc je pense qu'il va carrément aller ici. Il sera beaucoup moins altéré parce qu'il n'y a pas beaucoup de place au niveau de l'anneau. Donc voilà. Donc vraiment, je me lance dans les embellissements maison grâce à Kelly qui m'a fait découvrir cette beauté de faire soi-même ces embellissements maison. Donc le prochain projet, une fois mes Chunky Charms c'est terminé, je vais embellir des épingles en bois. Donc pareil, je les ai peintes à la gesso et ensuite à la peinture rose. J'ai repris ces deux cadres aussi que j'avais, ce sont deux cadres en fimo. Donc il y en avait un marron en chocolat et un violet foncé. Donc vous voyez, vraiment, ça couvre bien au niveau de la peinture. Voilà, tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc je tenais à vous remercier d'être aussi nombreuses à commenter mes photos de ma réalisation. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps à scraper depuis 15 jours pendant les vacances. Donc j'essaye le soir, quand je me pose un petit peu, de faire des embellissements faits main. Je suis à fond dans la webcam en ce moment. J'ai vu que j'avais beaucoup de questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions pour me demander des conseils. Vous tentez ou pas vous tentez, c'est la grande question du jour. Donc ça m'a bien fait rire. Et je vous dis à bientôt les filles. Bisous, bye bye.